finances. Astrologue, vendeur de peur, quelle belle danse. Mais pourquoi choisir quand on peut tout faire? Un infopreneur finance, c'est bien plus clair. Il prédit les crashs, la peur il doit semer. Regarde dans les étoiles, les marchés il va dompter. Mais son secret pour gagner, c'est pas dans son flair, c'est dans une formation en ligne à payer au prix d'or, bien sûr, c'est clair. Dernier, le mage des marchés, avec sa boule de cristal enchantée. Qu'il ait raison ou bien tort, il vend ses cours, c'est là son trésor. Quand les marchés frémissent, juste une petite baisse, Tammy sort sa boule et il nous presse. Je vous l'avais dit, le krach est imminent, mais son portefeuille jamais il ne montre. Il est prudent, que ça monte ou ça baisse, peu importe pour Tammy. Il s'est enchanté l'audience, comme l'air sans répit. Car dans ce jeu, c'est pas les gains qui comptent, mais les ventes de ses formations, c'est là qu'il se monte. Tammy, le mage des marchés, avec sa boule de cristal enchantée. Qu'il ait raison ou bien tort, il vend ses cours, c'est là son trésor. Tammy a toujours une prédiction sous la main, un krach à venir ou bien une envolée sans fin. Mais que le marché ait tort ou qu'il ait raison, Tammy lui, il rit car il fait ses millions. Il charme son audience avec des mots bien choisis. Et peu importe l'avenir, lui il s'en sort, il sourit. Pour Tammy, la finance c'est pas une question de flair, c'est juste de vendre sa peur, et ça c'est du clair. Tammy, le mage des marchés, avec sa boule de cristal enchantée. Qu'il ait raison ou bien tort, il vend ses cours, c'est là son trésor. Tammy, le mage des marchés, avec sa boule de cristal enchantée. Qu'il ait raison ou bien tort, il vend ses cours, c'est là son trésor. Son trésor.